D'accord. Parce que madame Anne, elle a dit de... Oui, le bonhomme, la chère. Quoi ? Anne ! Avec les enfants, même les enfants les plus, entre guillemets, dissipés, il arrive vraiment à les intéresser. Cette année, l'espace aussi pour cette fin d'année présente les œuvres de Madame Anne Laurier, qui est notre porte artistique pour les PDE RV4. Elle est seule à occuper l'espace ainsi que ses élèves. Vous avez déjà pu voir quelques créations de Madame Anne. Et en fait, elle a présenté quelques-uns de ses modèles, ainsi que les outils qu'elle a utilisés à ses enfants pour qu'ils puissent s'essayer à ces techniques. Avec le résultat que vous avez pu voir, que vous aurez l'occasion de découvrir. Avant toute chose, Madame Anne n'a pas pu apporter toutes les œuvres qu'elle a faites. Il y en a qui est parti, mais ça vous donne une idée de son talent et de son travail. Je n'ai pas tout préparé, donc il faut que je m'y retrouve. Donc ici, ce que je voudrais aussi mettre à l'honneur pour Madame Anne, c'est la chance que nos enfants de P2 à P4, ici c'est plutôt P2 à P3 pour les expositions, mais la chance qu'ils ont d'avoir ce cours d'expression artistique à raison de deux périodes par semaine, qui permet à certains élèves moins scolaires de trouver, de s'épanouir, je vais dire, dans l'art, de trouver du plaisir de venir à l'école, et c'est aussi extrêmement important, et qui sait peut-être plus tard aussi devenir artiste, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, et d'avoir une
ce vieux. Bravo aussi aux enfants, parce que ce travail a demandé des heures. Ne jamais renoncer, c'est une des devises de Madame Anne, et de leur apprendre à aller au bout, même si on n'est pas content toujours de son travail, mais la persévérance est quelque chose qui paye. Un tout grand merci à Monsieur François, qui n'a jamais compté ses heures pour aménager cet espace. La passion qu'il vit quotidien, vous venez de venir. Et je vous demande d'applaudir Monsieur François et Madame Anne. D'accord.